nous ne voyons pas les candidats se lever. Ils sont où? Alors, quand on vous appelle, vous vous levez pour qu'on puisse vous voir distinctement et capter votre image, puis la projeter sur les écrans. Elle va aller doucement pour que chacun ait ses 30 secondes de passage. C'est bon? On va recommencer tout. Merci. La liste des candidats retenus aux élections régionales. Région, Agnebi Tiassa. Non, Mbolo Martin, Mbolo Nando Martin. Bélier. Allô. Haïté, voici Noël. Allô. Nous signalons que Mbolo Martin n'est pas là parce qu'il a des problèmes de santé. Cavalli, Hubert Oulaye. Alors, le président Hubert Oulaye est absent parce qu'il est en mission commandée par le président Laurent Gbagbo lui-même. Beke, Kwame Roland Aka. Bokle, Damana Adia. Go. Dano Gégé Sébastien. C'est la région du Go. Gontougo, Kwame Yeboua. Grand Pont, Lasm Blaise Ni. Guémont, Bilo Daniel. Ambol, Ouattara Maïri Edouard. Sassandra, Kipré Stéphane, Ifou. Baudouin Ngoran. Indénier Diablin. Assoua Adou. Lamé. Monet Léon Emmanuel. Lodjibouin. Lida Kwasi Moïse.
Amaraoué, Kofi Luku Léon. Moronou, Don Melo Awa. Don Melo n'est pas là parce que vous le savez, il est retenu par ses charges à l'extérieur. Lanawa, Tina Zabuo. Chers camarades, femmes, prêtez attention. Nzi, Ombra, Aya, Marie, Rose. Je voudrais qu'on salue encore cette dame. Poro. Soro Seydou. C'est la région du Poro. On a dit Poro. Soro Seydou dit coton. San Pedro. Blagnon Capé Pierre. Retenu lui aussi à l'extérieur pour des missions. Enfin, le Sud Comoé, le président Wignien Georges Armand. Sur ce, je voudrais vous dire merci. Mais nous avons dit à notre papa que les femmes, une seule femme, Excellence, Monsieur le Président, c'était là la liste des 22 candidats de très bons étalons que vous avez choisis pour compétir utilement et efficacement au régional du 2 septembre 2023. Nous allons appeler la présidente de la Ligue, la présidente intérimaire de la Ligue des Jeunes, Eden Nova. Voilà. Qui est le père de la patrie en Côte d'Ivoire? Qui est le père de la démocratie en Côte d'Ivoire? Qui a annulé la date de séjour pour les étrangers? Qui a imposé la veille dans mon pays? Qui va le premier forum de réconciliation à son tour donner les noms et la liste des candidats choisis pour compétir au municipal du 2 septembre et d'un Nova. Merci beaucoup à tous. Son Excellence, Monsieur le Président, soyez salués. Je salue tous les cadres de la direction du parti. C'est un honneur pour moi de présenter cette liste pour les élections municipales. Le district d'Abidjan, Abobo, Mangoné Bi Patrice,
Gagné, Boris Hugues Gérard, Agnama, Alain Claude, Atekoubé, Bessé Guy Blaise Claude, Bengerville, Amon Régis, merci. On continue. Cocody, Mponon Étienne Prosper. Marc-Henri, Doucouré Toussaint. Koumassi, que Lazare sèche pas comme. Plateau, Monet Guy Florent. Port-Doué, Kone Katina Justin. Songon, Kofi Joseph. Trècheville, Pan-Noël Robert. Yopougon, Bako, Michel Koudou. Région de la Niébitiassa. Merci beaucoup. On continue. Région de la Niébitiassa. La première femme de la liste, Aké Mbofleur. Abovi. On continue. Azadie Bakayoko Moustapha. Ndoussi Kouakou Ntakbe Batelemi. Sikensi Dekou Angoran. Tabo Ngoran Kofi Adelph. Tia Salé, Kaga Mambo Pascal. La région du Bélier, Didier V, Kouakou Kofi. Gekanou, Loukou Kwasi Georges. Kokoumbo, Ba Oumar. Tie Ndiekro, Gué Yassou Cyril. Tie Bissou, Kouanka Adou Alain Guillaume.
faut dire Kofi Nguessa André. Là, ce sont les anciens élèves du lycée classique qui se reconnaissent, les Caïmans. La région du Béret, Konaïri, Bobé Yokole Martial. Région du Bunkani, Bouna, Kambou Bébé. Doropo. Yé Sissé, dit Droba. Nassian, Kofi Kwame Ouattara. Région du Cavali, Bleu Léquin, Oulaï Aimé Clarisse, la deuxième femme de la liste. Guiglo, siège Jésus.
Tanda, Badou Kwame Boniface. Transua, Yeboa Kobena Jones. Région des Grands Ponts, Dabou. Esso Nyan Eli. Grand Laou, Jet Sylvain. Jacquesville, Mkwase Yves. La région du Guémont. Bangolo, Zahé Jean-Brice. Diokwe, Mao Louis de Livière. Fakobli, Oulibli Clémentine. Kuibli, Teide Ladislas. Ambol, Bonnière Dougou, Fofana Ambaron, Dabakala, Koulibaly, Bakounadi Michel, Founbolo, Koulibaly Suleiman, Fona, Koulibaly Gibril, Katiola, Kone Emmanuel, Niakara, Kone Koumwe. Tafiré, Koulibaly Siaka. Région du Haut-Sassandra. Bediala, Zoro Bibou Dominique. Daloa, Godi Stéphane. Bogué, Bolou, Jennifer. Issia, Naounou, Alphonse. Merci, on continue. Saïwa, Vodou Clément Cyril. Va voir Mimi Dominique Olivier. Zoukoubé, Gossé Fernand. La région du Ifou. Daouko, Kouadio, Germain. Etokro, Aka Kouane Jules. Mbayako, Kono, Boka. Ouélé, Komena Marcel. P.
Sonko, Kofi Yao Siaka. Région de l'Indéné du Douablin, Abengourou, Bois Kwasi. Ani Bilekro, Koundré Kablan. Niablé, Ngwandi Ndri Richard. Région du Kabadougou, Madinani. Bamba épouse Fanny. Odiele Touré Karamoko. Siedougou Diarasou Bayaya. Région de la Mé, Agou, Monet, Apo, Agnès. Akoupé, Yapo, Mcho, Bernadin. Alepé, Akeyi, Okeyi, lui. Yakase Atobu, Asi Nden Théodore. Région de la Nawa, Bio, Zadi Lago Marus. Grand Zatri, Seri Luma Hortense. Gayo, Safré, Rigobert. Nayo, Coré Hortense. Meagui, Gagéi, Mars, Narcisse. Pardon, c'est Gagué, excusez, Narcisse. Soubré, Nyoba, Clémentine, Laurence. Région du Lot-Guibois, Divo, Brigade Gérard, Guitry, Koudou Évariste, Iré, Akafou Ndré Jonas. Lakota, Dalu Atu Prince. Zikiso, Goba Boliga Zéphirin. La région de la Maraoué. Bonan, Goré B, Goli Simplice. Boifflé, Golé Lou Vana Henriette, épouse Yaobi. Goïta Fla, Tabi Florent.
du Moronou. À nous, Maba. À que c'est Jérémy. Ara, Étienne Assoa. Bongouanou, Kwame Mesme, Mesme. Kwame Mesme. Mbato, Kakou Antoine. Tiemeleko, Kajo Florent. Fulgence, pardon. Région du Nzi, Bokanda, Nguessan Jean-Baptiste. Dimoko, Noufou Emilia. Kwasi Kwasi Kro, Yeboa Henri Yao Olivier. Région du Poro. De Guénébé. Kassinibé Thio. Komboro Dougou, Yeo Nagalourou. Korogo, Koulibaly Issa Malik. Région de San Pedro. Grabo, Poli Rodrigue. Grand Bérébi, Yé Pouwa Cyril. San Pedro, Claire Sylvanus. Tabou, Wallo Jean-Louis. Région du Sud Comoé. Abouasso. Woga. Suzanne. Adiaké. Kouati Jean-Baptiste Kouamé. Sini Mafia, Aka Kwaku, Aka Kwaku. Akaku, Akaku. Ayame, Ndouba Valentin. Benoît, Ekra, Joseph. Grand Bassam, Akré Sonia, Jeannette. Maféré, Ate Alain Stéphane. Tiapoum, Adoualou Roland. Région du Tompi, Biankouma, Diomande, Goumande Abdoulaye, Gwesse,
Fofana Alain. Gonné, Bleu Canon, Cano. Sipilou, Collège Jean-Claude. Joie Ognien, Pas Frédéric, Pas Frédéric. Cani, Diomandé Mamadou. Seguela, Soumaoro Mboudou Lai. District de Yamsoko, Atiegwako, Kwadio, Kwadio Tiako Thomas. Yamsoko, Kofi Oufoué. Merci à Zadé Denova. Nous avons découvert que c'est une métisse Koulongo-Gagou. Camarade, merci beaucoup. S'il vous plaît, camarade, on vient. Merci. Merci. On va continuer. Nous venons de prendre connaissance des candidats choisis par le président Laurent Gbagbo pour porter nos couleurs dans nos régions et dans nos communes. Comme nous sommes d'accord avec ces choix, je vais vous demander de vous lever et d'applaudir tous nos candidats. Merci, asseyez-vous. Le candidat de Mignan, de Dou Kaniasso. Le candidat de Kaniasso, dans la région du Foulon, il s'appelle Kone Karim, il a été omis. Où il est? Qui se lève pour qu'on le voit. Kone Karim, candidat PPACI pour Kaniasso. Merci beaucoup. Merci. À présent, il revient l'honneur au ministre Dr Assouadou, président du Conseil stratégique et politique, de venir à ce micro pour donner les conseils du CSP à tous nos candidats. Camarade ministre Assouadou.
Merci, camarade. Mais avant les conseils, il est tout à fait normal et même obligatoire de dire d'abord merci à son Excellence le Président Laurent Gbagbo. Je voudrais aussi remercier tous les camarades que le Président Gbagbo avait désignés pour examiner les dossiers des poursuivants. Je leur dis merci pour ce travail qu'ils ont effectué difficilement. Merci aussi à tous les camarades qui ont fait acte de candidature. Merci. Camarades militants, camarades militantes du PPACI, aujourd'hui c'est un grand jour. C'est un très grand jour. Mais d'abord, nous sommes là parce que, comme le stipule nos statuts, les statuts, l'article 28 des statuts dit ceci. Le CSP est compétent pour statuer au vu des propositions de la commission électorale du parti sur les investitures des candidats du parti aux élections, hormis l'élection présidentielle. Le CSP est également compétent pour retirer toute candidature. Mais nous ne sommes pas là aujourd'hui pour l'investiture. Nous sommes là pour la présentation de nos candidats. Mais pourquoi faire la présentation de nos candidats? D'abord, nous avons entendu tout à l'heure que nous avons 22 candidats dans les régions. Et nous avons 132 candidats dans les communes. Chers camarades, c'est une grande victoire. Très grande victoire. Parce que cela montre le dynamisme de notre parti et surtout l'accueil favorable que les populations ivoiriennes ont réservé à ce parti. Mais surtout ces chiffres, vous vous souvenez, c'est ici même dans ce bâtiment, quand le président Laurent Gbagbo, au cours de la réunion qu'on a tenue, et il a dit ceci, laissons l'enveloppe aux anciens et prenons le contenu. Beaucoup d'Ivoiriens étaient sceptiques. Ils venaient de faire plus de 8 ans de prison. Beaucoup de nos camarades dynamiques ont été tués. Beaucoup sont en exil. Et les gens essaient de fracturer le parti qu'il avait créé. Va-t-il réussir? Mais grâce à vous, les gars. Grâce à vous qui êtes venus pour que nous menions ce combat pour la démocratie, la souveraineté, la justice et l'équité dans ce pays. Merci, camarades. Donc, les Ivoiriens fondent beaucoup d'espoir sur nous, beaucoup d'espoir sur le PPACI. Mais c'est à juste titre, parce que pour la philosophie du président Laurent Gbagbo, il avait exprimé au départ pour la gestion des collectivités locales. Au cours de la campagne pour l'élection présidentielle de l'an 2000, il avait dit une phrase, et je ne sais pas si les Ivoiriens avaient bien compris. Il a dit, donnez-moi le pouvoir pour que je vous le rende. Comment dans un pays comme la Côte d'Ivoire, pour beaucoup de pays d'Afrique francophone qui ont recopié la constitution française de 1958 du général de Gaulle, où le président est presque un roi, et de Gaulle lui-même l'avait dit, j'ai réussi à réconcilier la République et la royauté, comment un président peut dire, donnez-moi le pouvoir pour que je vous le rende. Mais Gbagbo Laurent va vous le montrer. «
dès à son accession à la magistrature suprême, il va faire prendre une série de mesures et voter des lois. Je ne citerai pas toutes ces lois, tous ces décrets, mais je vous donnerai quelques exemples. C'est d'abord la loi relative à l'organisation du département, extrêmement important. Ensuite, sur le décret 2000-142 du 11 mars 2002, portant création de 56 collectivités territoriales. Ensuite vient la loi numéro 203-489 du 26 décembre 2003 portant régime financier, fiscal, domanial des collectivités territoriales. Parce que quand vous faites le transfert des compétences, il faut transférer les moyens pour que les gens puissent travailler. Mais surtout, le décret 2005-314 du 6 octobre 2005 portant création de 526 communes. C'est la loi sur la communalisation totale de notre pays qui le voulait. Pour vous montrer que le président Laurent Gbagbo a approfondi la politique de décentralisation en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je viens de citer ces lois. Mais tout cela est guidé par une philosophie. Par une philosophie. Comme je vous le disais, les présidents dans nos pays sont tout puissants. Mais sa philosophie, c'est que le citoyen doit prendre en main son avenir. Le citoyen doit lui-même agir, d'où les communes, d'où les conseils généraux qu'il avait créés. Ils sont venus, ils ont dit qu'ils veulent faire la même chose. Ouais, même chose. Mais je voudrais, avec l'autorisation du président et de nos frères Athier, citer un compte Athier, vous dire quelques éléments. C'est qu'ils disent que l'araignée, parce que dans nos comptes, l'araignée se croit toujours plus malin que les autres, qu'on appelle Kandaba, qu'on appelle Koku Anansé, est parti dans la forêt. Et dans la forêt, il voit un génie qui est en train de chanter, assis sur une natte. Le génie s'envole. Mais Koku Anansé a entendu la chanson. Lui aussi s'en va couper des feuilles de raffia. C'est ça que nous prenions avant pour faire les nattes. Il fait sa natte, il s'assoit dessus et il s'envole. Parce qu'il a repris la chanson. Mais comme il n'a jamais entendu la chanson qui fait revenir, donc voilà, un asé qui tourne, qui loupe. Imaginez ce qui va lui arriver. Imaginez. C'est la même chose. Gbagbo dit je vais faire la décentralisation. Gbagbo dit que je vais faire l'assurance maladie universelle. Et je aussi dis je vais le faire. Où ils en sont? C'est pourquoi la mission qu'il nous confie, pour ceux qui auront la chance d'être élus, est une mission extrêmement importante. Importante. Je résumerai en reprenant une expression des jeunes Ivoiriens. Ils disent, ils vont se réaliser. Non, on ne va pas pour se réaliser. Il faut que le peuple se réalise si nous gérons les communes et les départements. Donc, camarades, c'est sur ces éléments que je voudrais insister.
Parce que quand tu entends certains responsables qui disent, est-ce que tu connais le président de la République? Non, tu ne le connais pas. Tu ne connais pas même le premier ministre. Tu ne connais pas le ministre de l'économie et des finances. Et puis tu dis que tu veux être maire, tu veux être président des régions. Comment tu vas faire? Nous ne sommes pas dans ça. Nous sommes là pour servir le peuple. Je vous remercie. Partir, se faire élire et servir le peuple, dixit, docteur ministre Assouadou, qu'on va applaudir encore. Excellences, Monsieur le Président, il aurait aimé être parmi nous. Or, s'il était là, qu'est-ce qu'on serait content? C'était l'homme de droiture, de dignité, de rectitude, de discipline et de ponctualité. C'était votre jumeau. Il s'appelait Sangaré Abdourahmane. À ce moment solennel, le comité d'organisation a pensé qu'il serait bon qu'on lui rende hommage à travers un artiste, Bissouma Fabrice, qui lui a consacré une chanson. Je vais demander à la régie de nous caler le morceau de Bissouma Fabrice pour qu'on l'entende chanter Abdourahmane Sangaré, l'homme dignité qui s'en est allé. La régie, quand vous voulez. Homme digne et loyal à l'idéologie du Front populaire ivoirien. Hélas, un panafricanisme est tombé. Adieu le gardien du temple. Thank you.
Fabrice. Voilà. Excellence, Monsieur le Président, j'aime bien cet artiste pour son courage, pour sa ténacité, mais pour sa fidélité à votre personne et à votre combat. À partir de 2018, les artistes qui chantaient à nos manifestations, certains nous ont fait signer des contrats, on leur a versé les cachets et ils ont disparu au moment où ils doivent presser. Parce qu'après, quand vous les appelez, vous savez que quand on vous accompagne, on va en prison. Damana Pigalle, c'est vrai, non? Mais Zoumabi Fabrice et un certain nombre d'artistes sont restés avec nous, sous le vent, dans la chaleur, sous la pluie. Applaudissez pour Bizoma Fabrice et tous ces artistes qui ne pourront pas jouer ici et que nous rencontrons de temps en temps et que nous invitons pour presser à nos manifestations. Pour cette réunion, on les a invités aussi, le président les a invités. Ils étaient des candidats non retenus. Je voudrais qu'on applaudisse très fort pour leur discipline, pour les féliciter. Voilà. Bien sûr que certainement, le président aura aussi un mot tout à leur endroit. Mais il était bon qu'on signale qu'il y avait des candidats qui n'ont pas été retenus et qui méritent notre hommage. Ils sont... Parce que dans un match de football, il y a toujours des remplaçants. Hein? Voilà. Voilà. D'autres challenges peuvent venir. Nous allons à présent vous inviter à regarder une petite vidéo qui va nous montrer notre champion international, le président Laurent Gbagbo lui-même, en train d'aller s'inscrire sur la liste électorale. Parce que certains croient que c'est un jeu. C'est pas un jeu. Voilà. Oui, dit lui-même aller s'inscrire. On va revivre ce moment-là. La régie, quand vous voulez. Le vote ne doit plus être synonyme de guerre. Le vote ne doit plus être synonyme de bagarre rangée. Nous sommes en ce moment trois, je suis le président des trois. Le président Bédier, le président Ouattara et moi-même. Nous devons laisser aux générations futures une Côte d'Ivoire apaisée. Et c'est-à-dire une Côte d'Ivoire où on n'a pas peur des élections. C'est-à-dire une Côte d'Ivoire où on n'a pas peur des résultats des élections. Dans beaucoup de pays africains, y compris la Côte d'Ivoire, dès qu'on annonce une élection, c'est comme si on a annoncé le début d'une guerre civile. Or, on ne doit pas vivre dans cette hantise-là. On ne doit pas vivre dans cette peur-là. Il faut que les citoyens aillent voter tranquillement comme on fait une activité ordinaire. Parce que c'est une activité ordinaire et qu'il s'exprime, que le vainqueur gagne et que le vaincu s'incline. C'est que nous devons à la jeunesse de lui laisser un tel pays. Et c'est à ça que je travaille. Merci. Voilà. Il a dit, je travaille pour que le vainqueur gagne et que le vaincu s'incline sans qu'il y ait parole. Est-ce qu'on peut le faire en Côte d'Ivoire?
Excellent Monsieur le Président, pour que ce que vous venez de dire se réalise, vous avez annoncé un organe qui va se charger de la lutte contre la fraude électorale, mais surtout pour des élections apaisées. Et dès que vous avez dit ça, pourquoi il dit ça? C'est pas qui va contester. Bon, pour une fois dans notre pays, quelqu'un veut perdre dans la lumière. C'est pour perdre clairement. Pourquoi c'est vous qui êtes fâché? Voilà les contradictions de nos adversaires. Mais qu'est-ce qu'il y a exactement derrière cet organe, à l'intérieur de cet organe, qu'est-ce qu'il va faire? Dans un premier temps, on va procéder à l'appel nominatif des membres du bureau central de cet organe. Je ne connais pas encore son nom, je l'aurais dit tout à l'heure. La présidente de cet organe viendra vous le dire. Mais pour l'instant, on va appeler notre ami et camarade Ousmane Sissavané, président de la commission communication et organisation des manifestations du parti, pour appeler à son tour les membres de l'organe chargé de la lutte contre la fraude électorale et pour des élections apaisées. C'est le même cérémonial. Quand on vous appelle, vous vous levez et les caméras vous cherchent pour vous projeter sur nos écrans. Merci. Ousmane Sissavané. Merci beaucoup, César. Je vais faire lecture des membres du comité central de l'organe en charge de la lutte contre la fraude électorale. Je vais peut-être commencer par donner le nom de cet organe. Cet organe s'appellera les Sentinelles anti-fraude électorale. À l'abrégé, ça va faire CEF. Les Sentinelles anti-fraude électorale. Donc ça va faire CEF et en communication, la signature, ce sera pour des élections CEF. Donc je fais lecture du bureau central de CEF. Donc. Il y aura Habiba Touré, qui sera la présidente. Il y a Ousmane Sissavané, moi-même qui suis le premier vice-président en charge de la communication. Vous aurez Viviane Nakale, vice-présidente en charge de l'administration et de la coordination. Kazaj Djaz Jean-Jacques, vice-président en charge des données et de la statistique. C'est le professeur Félix Tano, vice-président en charge des affaires juridiques. Monsieur Assier Yarabé Fleuron, qui est le trésorier. Il n'est pas là, malheureusement, en commission. Monsieur Abouna Yao, il est membre de la cellule des données statistiques. Vous avez monsieur Léo Aïlé, qui est empêché, mais il est membre de la cellule communication. Monsieur Krizwa Anagama Olivier, il est membre de la cellule données statistiques. Monsieur Dalo Yao, expert électoral, membre de la cellule de données statistiques. Monsieur Gala Kolibi, membre de la cellule communication. Monsieur Niabré Edouard, membre de la cellule communication. Monsieur Niawa Marcelin, membre de la cellule communication. Monsieur Joseph Sterling Gras, membre de la cellule données statistiques. Monsieur Lago Fabrice Distilbico, membre de la cellule communication. Monsieur. Merci, on continue. Lauré Unissant, membre de la cellule données et statistiques. Maître Sylvain Tapie, membre de la cellule des affaires juridiques. Et enfin, M. Thibault Noël Evrard, dit fier ivoirien, membre de la cellule communication.
Donc voilà, c'était les membres du bureau central de CEFRE. Mais je voulais juste ajouter que l'organe en charge de la lutte qu'on appelle CEFRE est structuré en trois gros segments. Il y a le bureau central que je viens de citer, mais en dessous du bureau central, il y a des sentinelles régionales. En dessous des sentinelles régionales, on aura des sentinelles départementales. C'est-à-dire, partout où il y a des candidats, l'organisation est faite de sorte qu'il y a au moins une sentinelle, au moins une. Donc les membres de la sentinelle sont là, aussi bien les régionales que les communales. Je voudrais qu'ils se lèvent et qu'on applaudisse parce que le travail d'alerte, de veille et d'assistance Merci beaucoup aux sentinelles, parce que c'est eux qui vont faire le travail d'alerte, aussi bien de l'assistance que de la veille sur le terrain avec nos candidats. Alors je vais m'arrêter là pour l'instant. La présidente viendra donner plus d'informations sur les sentinelles. Merci. Ousmane Sixavané, président de la commission communication et organisation des manifestations qu'on va applaudir. Alors, nous savons avec lui que l'organe s'appelle désormais les sentinelles anti-fraude électorale du PPACI, en abréviation SAFE. C'est anglais. Voilà. Vous me regardez comme ça. Moi, je comprends l'anglais. Safe. Ça veut dire ce qui est sauvegardé, ce qui est devenu sain, ce qui est propre. Mais, si vous lisez bien, ça peut se traduire dans une de nos langues. Ça fait. Les baoulés rient. Ça veut dire l'affaire est propre. Applaudissez pour les baoulés. Ils viennent de donner un organe important au président Laurent Gbagbo. Applaudissez-nous. Alors, quel va être le rôle de cet organe? C'est sa présidente qui va nous le dire. J'appelle à ce micro Maître Habiba Touré. Monsieur le Président, éminents membres de la direction, chers camarades et invités, tout d'abord, nous tenons à vous remercier d'avoir honoré de votre présence cette... Monsieur le Président, c'est un grand honneur de se retrouver aujourd'hui devant vous après une décision extrêmement importante par laquelle vous avez créé SAFE et dont vous m'avez fait l'honneur de m'en confier la direction. Je vous en remercie. Monsieur le Président, lorsque vous avez, avec vos camarades, créé le PPACI, vous nous aviez indiqué que si nous étions parvenus à conquérir le multipartisme, il nous restait encore beaucoup à faire. Il nous restait encore à conquérir la démocratie, notamment. La démocratie n'est pas un vain mot à vos yeux, car cela constitue l'essence même de votre combat. Vous avez toujours considéré que la démocratie est une nécessité impérieuse pour nos États africains. Et cela non pas pour singer l'Occident, mais pour nous garantir la paix. Monsieur le Président, vous n'avez cessé de nous répéter que la démocratie, c'est notamment le fait d'accepter de ne pas être d'accord. C'est d'accepter d'avoir des idées, des opinions divergentes, sans considérer l'autre comme un ennemi à abattre. La démocratie, c'est d'accepter l'idée même de ne pas être d'accord, tout en permettant que le choix du plus grand nombre s'impose à tous. Parce qu'une démocratie ne s'impose pas à coups de bombes ou de rébellions,
vous nous avez enseigné la nécessité de savoir écouter pour mieux convaincre le peuple. Pour ce faire, les élections sont l'une des formes de l'expression de la démocratie. Et après les joutes oratoires, on laisse le peuple voter et décider. On peut ne pas être d'accord avec le choix du peuple, mais sa décision est souveraine. Le choix du peuple doit pouvoir s'imposer à tous dans la paix. Pourtant, Monsieur le Président, vous avez fait l'amer constat que les élections en Afrique, et plus précisément ici en Côte d'Ivoire, sont souvent synonymes de tensions, de crises, voire même de guerres. Vous avez pu constater que les contentieux pré- et post-électoraux aboutissaient presque toujours à des crises politiques qui mettaient à mal la cohésion nationale. Le caractère chronique des crises politiques lors de chaque élection a fini par vous convaincre qu'il n'y a pas de paix en Côte d'Ivoire. L'absence de guerre n'est effectivement pas la paix, et la montée des tensions à chaque échéance électorale ne cesse de nous le rappeler. Néanmoins, Monsieur le Président, vous refusez catégoriquement d'accepter cet état de fait comme une fatalité. Et pour résoudre le problème des crises politiques à répétition lors des échéances électorales, vous avez identifié l'un des maux qui ronge notre pays. En effet, Monsieur le Président, vous nous avez fait remarquer que durant ces dernières années, notre adversaire n'était pas un homme ou une femme politique. Notre adversaire n'est même pas un parti politique. C'est un adversaire anonyme et sans visage, qui est redoutable par les actes qu'il pose et par les conséquences qu'elles ont sur toute une nation. Notre réel adversaire est la fraude électorale. Travestie en un processus électoral, la fraude vole le peuple de la pire des manières. Elle vole sournoisement le choix du peuple. Elle vole son espoir de changement et de fait, elle lui confisque son avenir. Qui peut croire, entre nous, qui peut croire à la réalité d'une victoire électorale lorsqu'il y a plus de votants que d'inscrits? Lorsqu'on élimine certains candidats, lorsque l'on empêche des électeurs de voter, ou enfin lorsque certains subissent des violences du fait de leur obédience politique, et on ose nous parler d'élections libres et transparentes. Il est vrai, Monsieur le Président, qu'un certain nombre d'élus, ou plutôt de mal élus, ont montré une grande créativité dans la pratique de la fraude électorale. Ils ont utilisé toutes les astuces du métier, depuis les votes multiples jusqu'à la suppression des votes de leurs opposants, voire même la suppression de leurs opposants sur la liste électorale, ou encore la disparition des urnes, en passant par l'achat des voix et la manipulation des résultats. C'est de véritables génies du crime électoral que nous avons pu découvrir ces dernières années. Alors, bien sûr, des voix se sont élevées pour oser suggérer que la victoire de ces merveilleux candidats était le résultat d'une fraude flagrante. Mais pourquoi écouter ces voix sceptiques quand on peut simplement les réduire au silence par l'exil, l'emprisonnement, les menaces et les intimidations? La fraude électorale est ainsi devenue si banale qu'elle apparaît chez certains comme étant un mode normal de fonctionnement. Elle est la solution. C'est après avoir fait cet amer constat que vous avez décidé, Monsieur le Président, de créer SAFE. Cet organe est composé d'un bureau central qui vous a été présenté avec des personnalités qui ont une expertise particulière en lien avec le processus électoral. Nous avons également des sentinelles au niveau des régions et des communes qui seront nos yeux et nos oreilles. En réalité, Monsieur le Président, c'est chaque Ivoirien qui sera nos yeux et nos oreilles dans tout le pays. De la ménagère au chef d'entreprise, en passant par l'enseignant et l'étudiant, chacun de nos concitoyens pourra nous dénoncer toutes les fraudes ou tentatives de fraude dont il aura été témoin. En réalité, Monsieur le Président, SAFE sera le porte-voix du peuple.
car nous devons tous travailler ensemble pour protéger notre droit de vote et pour nous assurer que chaque voix est comptée et que chaque vote est traité de manière équitable et transparente. Cela signifie que nous devons être vigilants et dénoncer toute activité suspecte ou toute tentative de fraude électorale. Tous nos concitoyens ne seront plus des spectateurs, mais des acteurs des élections. Une ligne téléphonique permettra à nos concitoyens de ne plus subir les élections truquées en dénonçant les fraudes. Un site internet, une page Facebook et un numéro WhatsApp seront également mis à la disposition de tous pour permettre à chacun de nous alerter sur les fraudes en cours. Nous nous sommes ainsi en réalité que la face visible de la Sentinelle, qui sera composée de milliers d'anonymes qui auront un regard attentif sur les prochaines élections. Pour ce qui est des missions de SAFE, Monsieur le Président, vous avez été très clair. Notre mission première pourrait se résumer en trois mots. Surveiller, détecter, dénoncer. Il s'agit effectivement de surveiller tout le processus électoral, de détecter de manière précoce toutes les germes de la fraude et afin de dénoncer la fraude partout où elle se trouve. Il s'agit d'attirer l'attention de chacun sur toutes les irrégularités constatées dans le processus électoral. Nous devons également assister et former les candidats de notre parti. Nous devons les sensibiliser afin qu'ils soient vigilants face à toutes les techniques de fraude dont ils pourraient être victimes. D'ores et déjà, Monsieur le Président, nous précisons que nous n'avons pas vocation à nous substituer à la Commission électorale indépendante. Nous n'intervenons pas dans l'organisation du processus électoral, non. Nous n'interférons en aucune manière dans les missions et prérogatives de la CEI. Encore une fois, notre objectif est de surveiller, détecter et dénoncer toutes les fraudes. Alors, nous entendons déjà certains nous accuser de vouloir provoquer des tensions dans le pays. Certains même nous ont accusé de vouloir la guerre. Bon. Alors, comment la création d'un organe dont le seul but est de dénoncer la fraude, comment pourrait-il créer des tensions dans un pays? Cette fébrilité, Monsieur le Président, prouve que vous avez établi le bon diagnostic aux problèmes électoraux de la Côte d'Ivoire. Les tricheurs tremblent déjà. Mais nous allons dénoncer ces problèmes, nous allons dénoncer cette fraude. N'en déplaise aux tricheurs. Vos sentinelles, Monsieur le Président, sont des jeunes et des moins jeunes, des hommes et des femmes, des pères et des mères de famille, tout à fait pacifiques, je le répète, tout à fait pacifiques, qui vont informer le peuple de tous les actes de fraude que nous allons repérer. N'en déplaise aux tricheurs. Nous n'allons plus nous taire. Nous n'allons plus nous taire car nous avons compris, Monsieur le Président, que notre seul adversaire était la fraude électorale. Nous allons dénoncer cela, Monsieur le Président. Monsieur le Président, les différentes techniques de fraude électorale nous montrent que tout ne se joue pas le jour des élections. Bien des choses se jouent avant. En effet, à l'heure où je vous parle, beaucoup de choses se jouent. Beaucoup de choses sont faites. Et des bruits courent déjà. Nous entendons déjà qu'alors que, et nous l'avons vu, vous étiez parti vous inscrire sur la liste électorale en fin d'année dernière, certains tenteraient aujourd'hui d'effacer votre inscription en retirant de nouveau votre nom de la liste électorale. Récemment, des journaux se sont d'ailleurs fait l'écho de cette tentative de retrait de votre nom de la liste électorale. L'inscription est pourtant de droit. Et la procédure électorale veut que toute personne qui souhaite s'inscrire doit pouvoir voir son nom sur la liste électorale avant toute contestation. Et le contentieux de la liste électorale n'a même pas encore commencé pour que l'on prétende retirer votre nom. C'est au peuple et au peuple seul
de choisir ses élus. Et il n'y a pas pire lâcheté que d'utiliser des candidats sans envergure pour être sûr de les battre et de se glorifier d'une victoire sans légitimité qui ne repose sur rien. Il n'y a pas pire danger que de retirer le droit de vote à ses adversaires pour tenter de se garantir une victoire chimérique et sans aucune légitimité. Nous espérons donc que ce n'est qu'une rumeur. Nous espérons vraiment qu'une fraude aussi grossière n'aura pas lieu. Nous l'espérons car cela serait de nature à disqualifier les organes qui s'y prêteraient. Nous l'espérons car cela signifierait que ceux qui prétendent organiser nos élections en toute indépendance ne le seraient pas vraiment. Mais cette fois-ci, Monsieur le Président, vous nous avez demandé d'être vigilants. Non pas pour vous-même, mais pour rétablir la confiance du peuple dans le processus électoral. Monsieur le Président, chers invités, parce qu'il n'y a pas de démocratie sans le peuple, tant qu'il y aura des élections, elles doivent refléter la volonté du peuple et non celle de la fraude. Un peuple sans pouvoir n'est que le reflet d'une dictature. Nous l'avons dit, chers camarades, et nous le répétons, notre réel adversaire est la fraude électorale. Mais nous ne la laisserons pas gagner. Nous ne la laisserons pas gagner. Nous ne la laisserons pas gagner. Monsieur le Président, toute votre vie, vous vous êtes battu pour une Côte d'Ivoire souveraine et démocratique. Vous n'avez jamais cessé de nous faire comprendre que notre droit de vote est précieux et qu'il doit être protégé. Lors de la fête de la Renaissance, il y a quelques semaines à peine, vous nous avez encore rappelé qu'on n'a rien sans combat. Nous devons donc tous faire notre part pour lutter contre la fraude électorale et pour garantir que chaque vote compte, que chaque citoyen compte. Nous devons nous unir, nous tenir debout et dire que nous n'allons plus tolérer la fraude électorale. Car notre démocratie, la paix dans notre pays et notre avenir en dépendent. Le philosophe anglais Thomas Hobbes disait que la fraude et la force sont les deux âmes principales des hommes en guerre. En ce qui nous concerne, nous les enfants de Gbagbo, les seules armes dont nous disposons est notre parole et notre conviction. Ce sont nos seules armes. Convaincus, nous le sommes. Nous allons donc parler, encore et encore. Nous allons dénoncer, encore et encore. Et si Dieu le veut, nous allons gagner. Je vous remercie. Accepté. J'ai vu le ministre Amani Michel dans la salle. Nous étions à Boaké en 2010. Pour la présidentielle. Le nombre d'inscrits sur la liste, c'était 102 000 électeurs. 102 000. Au résultat, votant 172 000. Même les Arabes même ne font plus ces calculs-là. Ils ont tout abandonné dans les mains des solutions d'ici. Inscrit 102 000, votant 172 000. En statistique, dans une classe où il y a juste 22 étudiants qui vont passer le bac, quand ils ont passé, on dit ceux qui ont fait l'examen, ils sont 43. Ils viennent d'où? Alors, le président a invité les noirs, les blancs, les jaunes. Il a même marqué d'inviter les oranges pour venir récompter les voix. Le président, il ne peut pas venir. Parce qu'ils viennent là, ils vont voir des trucs comme ça. 102 000 inscrits, 172 000 votants. Je vois le ministre Amani qui sourit. Et ils veulent qu'on accepte des résultats comme ça. Non, on ne peut pas l'accepter. Il faut applaudir Maître Abiba Touré. Parce que Soumbi nous a dit, tout va changer. Ah, tout va changer.
en Côte d'Ivoire, en tout cas en matière de fraude, tout va changer. Nous sommes à l'étape finale de cette double cérémonie. C'est le moment que j'aime. Et c'est le seul moment où je donne la parole au président et puis le président lui-même m'obéit aussi. Hein? Applaudissez pour moi aussi. Excellence, monsieur le président, vous avez choisi des candidats pour nous représenter au régional et au municipal. Vous avez créé un organe, le CEF, pour contrôler le processus électoral, pour extirper tout ce qui peut être fraude pour nous gêner. Le temps est venu pour qu'on vous écoute. Quelles sont vos motivations pour nous donner et ces candidats? Pour l'instant, les microphones ne sont pas encore calés. Nous allons donc continuer à la régie de nous donner Soumbil. Je vous souhaite bonne journée et je nous souhaite à nous tous bonnes élections. J'ai écouté le discours de mes deux voisins de gauche et j'ai été assez ému par les deux discours. Commenterai un peu peut-être certaines parties. Mais je suis content qu'on soit là aujourd'hui. Ça veut dire qu'on a travaillé, qu'on a avancé. Ce parti a été créé il y a 2 ans, à peu près. Et il est présent. Et il est présent dans la Côte d'Ivoire. Et c'est un bonheur. C'est une joie. On est fier que ce parti, si jeune, soit si présent. Je remercie tous ceux qui ont travaillé à sa présence. Oui, on peut me dire que c'est l'héritier du FPI, c'est vrai. Mais il a fallu quand même qu'on attende une nouvelle confirmation du ministère de l'Intérieur. Il a fallu des moments d'angoisse pour voir si celui qui prétendait diriger ce parti n'était pas d'emblée mis au banc des pestiférés. Il a fallu circuler, faire circuler les militants pour que partout le nom PPACI soit synonyme de quelque chose.
soit synonyme d'un combat qui ne devait jamais cesser. Il a fallu tout ça. Moi, chaque fois que je suis devant des militants, je me souviens de quand j'avais 7 ans à Gagnoir et qu'on arrivait à l'école. Un lundi, et qu'on trouvait de la pagaille partout dans les classes parce qu'il y avait eu des votes dans les salles de classe. C'était des grands moments, ça. C'était des grands moments. On dit, nous, on était des Gagnoirs. Donc, nos grands noms là-bas, on dit Gagnabahi. Et ici, Gagné Capri est là. Sokri Marcel ici. Et je me souviens encore du voisin Koulibaly qui a débarqué à Gagnoir pour indexer Dédé Capri. Vous dites ce Dédé Capri-là, il sautille comme un cabri. C'est ça que ça me rappelle. Quand je suis devant vous, je pense à ces images-là, à ces paroles-là. C'est un combat qu'il ne faut pas abandonner. Nous ne devons pas abandonner la bataille pour la liberté en Côte d'Ivoire. Non, jamais. La liberté en Côte d'Ivoire, nous ne devons pas l'abandonner. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on dit? Mais enfin, enfin quoi? Enfin quoi? Nous voyons Auguste Denis sur le marché d'Agoville venir faire campagne. C'est la première fois que je voyais un meeting. Je passais, je traversais le marché pour aller à l'école primaire publique. Je vois un monsieur, c'était Auguste Denis, monté sur des tables, il part. Il part. Et une partie du marché était occupée. Une partie du marché était occupée. C'était l'administration coloniale. Mais Denis pouvait parler parce que lui, il était français. C'est pourquoi les gens l'ont choisi comme premier responsable du PDCI-RPA. Parce qu'il était français. Donc, il ne pouvait pas être arrêté n'importe comment. Les autres étaient des indigènes.
Donc, ils étaient dans le bureau de Gilles Denise, mais ce n'était pas eux qui étaient devant. Nous, on a vu ça. On a vu ça. On a vu les voisins Koulibaly marcher à Trècheville. On a vu ça. On a vu les Sékou Touré et les Modibo suivre Oufoué à Trècheville. On a vu ça. Alors, quand en janvier 1973, on me sort de la prison où j'ai été pendant 2 ans. Et que je suis reçu par le même Auguste Denise, parce que Oufoué n'était pas là, dans son bureau, où il y a la préfecture d'Abidjan, maintenant. Et qui me parle. Nous étions trois. Il y avait Jenny Kobina, notre aîné, il y avait Oba Albert, et il y avait moi. Mais il y avait un élève en plus, c'était Ali Keïta, qui avait été maintenu en prison parce qu'on dit qu'il avait reçu une lettre d'un communiste. Comment un communiste écrit et comment quelqu'un d'autre écrit, je ne sais pas. On dit qu'il a reçu une lettre d'un communiste. Bon, alors quand je vois Denise nous parler, et nous disons, les jeunes, ne recommencez pas ça. Nous avons trop souffert pour libérer ce pays. Ne sème pas la pagaille. Je regarde puis je dis, c'est le même gars là que moi je voyais à Beauville là. C'est moi la pagaille disant aux abeilles de se révolter contre l'ordre colonial. La lutte pour la liberté n'a pas de fin. La démocratie, dans sa conception actuelle, est née au 5e siècle avant Jésus-Christ, au 5e siècle à Athènes. Et pourquoi la démocratie est-elle née? Parce que les Grecs ont compris qu'ils sont à Athènes, dans la cité, mais ils ne sont pas d'accord. Le premier constat de la démocratie, c'est de dire on n'est pas d'accord. Et on ne sera jamais d'accord sur tous les problèmes qui vont se présenter à nous. Alors, on fait quoi? Puisqu'on n'est pas d'accord, on n'a pas la même manière de penser, on n'a pas la même manière de voir, on fait comment? C'est ça. Donc, trouvons un moyen pour vivre en tant que concitoyens avec nos divergences. Voilà la naissance de la démocratie. Alors quand les gens disent qu'il faut être d'accord, mais ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé.
Il faut être d'accord comment? Il faut être d'accord comment? Si nous sommes là, on n'est à jamais. On veut aller à Yopougon. Mais le baka qui arrive, moi je vais monter, lui il veut monter. Oh, il y a une seule place de libre. On fait comment? On fait comment? Vous voyez, il ne faut pas aller contre la nature humaine. S'il y a une seule place, que toutes les autres places sont occupées, il y a une place, seule place de libre. Il faut qu'un seul monte, c'est une contradiction entre nous deux ou nous trois qui sommes là. Il faudra qu'un monte et les autres vont être frustrés. Mais c'est ça. C'est l'organisation de cette lutte-là, de cette frustration-là, qu'on appelle la démocratie. Et une fois qu'on a trouvé celui qui va monter, mais lui, il s'en va. Et nous, on reste, on attend un autre baka. On attend un autre baka. Si nous restons deux, nous espérons qu'il y aura plus de deux places. Sinon, lui qui est monté, il est parti. C'est fini, ça, l'affaire est close. On ne le connaissait pas avant, donc on ne cherchera pas à le voir. C'est fini, lui est parti à la maison. Vous comprenez? Donc, c'est la vie simple. La démocratie, c'est la vie courante. C'est la vie courante. Comme à la CPI, un moment, on me disait que oui, que je voulais tuer tous les gens qui sont proches de Ouattara. Ou qui sont de son ethnie, ou bon, ils ont raconté n'importe quoi. Surtout McDonald's, il a raconté n'importe quoi. Alors Agathe Barouin leur a dit, mais chez nous là, on vit dans la cour commune. Une cour commune là. Tu construis une maison comme ça, et puis il y a des portes. Chacun vient, il loue. Toi, tu veux ton argent. Donc, celui qui vient, il loue, là. Il est rentré, il te paye, tu prends ton argent en poche et tu roules. Ton problème n'est pas de savoir s'il est un bateau, s'il est agni, s'il est bété, s'il est haché, s'il est du là. Tu prends ton argent et tu roules. Et il t'a payé, c'est tout. À la fin du mois, tu reviens. Et tu passes devant chacun pour qu'il te paye. Alors, si Babo lance des bombes sur ce cours là, comment il est sûr qu'il va tuer les proches de Ouattara et pas ses proches à lui? C'était
la dernière plaidoirie de Agathe Barois à ce pays. Mais c'est tellement de bon sens que on nous a libérés. Parce que les gens, ils sont dans les cours communes, ils rentrent. À la fin du mois, tu viens, tu touches ton argent, toi, tu roules. Mais tu lances une bombe. Mais pour faire quoi? Toi, tu veux ton argent. C'est tout. Alors, la démocratie, il ne faut pas faire plus compliqué que les choses. Parce que c'est simple à comprendre. C'est simple. On organise nos différents points de vue. C'est-à-dire, comme on n'est pas d'accord, bon, il faut que chacun ait le droit de dire ce qu'il veut. C'est tout. Parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas d'accord et qu'on ne peut pas répéter la même chose. Donc, on affirme que chacun a le droit de dire ce qu'il veut. Sauf, et puis on met des saisons, ces sauf-là, qui deviennent la loi. Sauf si ce qu'il va dire nuit à l'intérêt général, on définit l'intérêt général, etc. Mais nous continuons. Alors, surtout ici, où nous sommes plusieurs ethnies, si nous sommes plusieurs ethnies, moi, avant de venir à Abidjan en 62, je n'avais jamais vu un ébrié. Non, je n'avais jamais vu. Bon. Mais je suis venu à Abidjan, j'ai vu, j'étais en classe avec eux, tout. Bon. Ceci dit, il faut que la démocratie tienne. Il faut qu'elle tienne. Parce que si elle ne tient pas, nous sommes fichus. Pourquoi nous sommes fichus? Parce que c'est celui qui est le plus fort qui va te frapper et puis lui seul, il va parler. Oui. Lui seul, il vient, il te frappe et puis il parle. C'est le contraire de la démocratie. On a vu un qui est parti dans la maison de modèle. Hein? Il s'en va, il rentre dans la maison, puis il dit, il cherche Marie-Odette Lorient. Parce qu'elle a insulté son fétiche. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quelle affaire, ça? C'est quelle affaire? Quelqu'un peut parler? Si vous dites que personne ne peut parler, bon, dites-le clairement, et puis personne ne parle. Mais si vous dites que quelqu'un peut parler,
parler. Si tu n'es pas d'accord, tu vas, puis tu parles aussi. Tu dis pour toi. C'est ça aussi la démocratie. Elle parle. Ça te fait mal. Tu dresses ton micro et puis tu parles aussi. Et puis tu lui fais mal et puis vous vous dépassez dans la rue. C'est ça. Mais on ne peut pas, sous prétexte que quelqu'un a parlé et que ça nous fait mal, aller dans sa maison, troubler sa quiétude familiale. Ça veut dire quoi ça? La femme de quelqu'un. Ah oui! Ça veut dire quoi ça? Donc, voilà un peu pour vous définir la démocratie. Maintenant, la démocratie, il y a le pouvoir. Donc, il faut compétir pour le pouvoir. Ici, nous sommes là parce qu'il s'agit de compétir pour un pouvoir du deuxième degré. Parce qu'il y a le pouvoir du premier degré, l'exécutif et le législatif, les deux sont liés pour le pouvoir qui concerne tout le pays. Et même les relations du pays avec les autres pays, ça c'est le pouvoir du premier degré. Maintenant pour le pouvoir du second degré, c'est-à-dire localement. La mairie, j'avais défini moi le département, mais ils ont supprimé. Je pense que ce n'est pas bon, que c'est mieux ce que nous avions fait, mais ce n'est pas grave. Parce que précisément, la région est trop grande, alors que le département, les investissements qui sont faits sont vus immédiatement. Par exemple, mais c'est pas grave, on ne va pas se bagarrer pour ça. On ne va pas se bagarrer pour ça. Il y a beaucoup d'autres choses pour lesquelles on se bagarre. Et puis, j'avais souhaité une communalisation totale. Parce que il y a de l'argent disponible. Et cet argent-là, de toutes les façons, on l'utilise pour toutes les communes, tous les villages. Il faut l'utiliser, il faut les donner, créer toutes les communes et puis leur donner ça. C'est pourquoi j'avais fait la communalisation totale. Mais dès qu'ils sont arrivés, chut, ils ont effacé ça, mais ce n'est pas grave. C'est ce qui ne va jamais revenir là. C'est ça qui est grave. Sinon, ce qui va revenir là, c'est pas grave. Ça, ce n'est pas un problème. Bon, donc, nous sommes là pour les élections du second degré, mais c'est important. Le second degré, parce que c'est ça qui pèse sur les habitants.
puis les habitants. Une femme devant son attaqué, comment elle va faire pour avoir du manioc, surtout maintenant dans la région d'Abidjan, puis la brousse, pour faire des plantations de manioc. Donc il faut gérer ça. Pajo Tchakori, toi, avec ton riz rouge que tu plantes là, hier j'ai mangé du riz rouge. Et je vais te demander, la prochaine fois viens à la maison, tu vas m'indiquer où on trouve du riz rouge. Pour ça, je vais demander aux miens de planter ça dans ma cour. Je vais manger du riz rouge. Il faut gérer tous ces problèmes locaux, tous les impôts locaux, toutes les petites taxes locales. Il faut régler tous les petits problèmes qui font qu'une autre vie doit être bien. Mais moi, je me suis souvent fâché contre les gens de ma cour à Mama. Je vais là-bas, j'ai une cour grande. Et les étrangers qui travaillent dans ma cour, c'est leurs femmes qui plantent la tomate, qui plantent l'aubergine, qui plantent le gombo, le maïs. Et qui s'en vont vendre ça au marché de Mama. Et puis, nos filles qui sont aussi dans la cour là, pour aller acheter ça. Alors j'ai dit, mais vous êtes bêtes ou quoi? Si vous êtes bêtes ou quoi? Vous ne pouvez pas vous aussi planter la tomate? Le gombo, le maïs ici, récolter ça et manger. Vous voyez? Donc, on marche dans la brousse, mais on ne sait pas que la brousse, c'est la mère des richesses. On ne sait pas que c'est la mère des richesses, la brousse. On marche dedans. Et puis on passe. Ce sont ces élections-là pour lesquelles vous êtes candidat qui vont expliquer ça. Au niveau des régions, au niveau des municipalités, vous allez expliquer que la brousse sur laquelle nous marchons, c'est la mère des richesses. Les piments, les gombos, les aubergines, sont là. Sont là. Sorokoto est venu chez moi. Grâce à lui, d'ici 2 ans, je ne vais plus acheter de coco. Et il a planté du coco chez moi, partout. Vous comprenez? Donc la terre sur laquelle nous marchons, c'est la mère des richesses.
Il faut expliquer ça. Voilà, en gros. Mais je vais dire des trucs maintenant qui concernent le parti. Nous avons suivi en tout les règles définies par le parti, par les statuts du parti. Puis, le président entend, bon, il attend. On a désigné des candidats. Il y en a que je souhaitais comme candidat aussi. Et ils me suivent. Mais hélas, hélas, ils n'étaient pas là bon. Leurs candidatures n'ont pas été déposées pour des problèmes internes. J'espère que ces problèmes vont être réglés et que chacun reprendra sa place. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu trop de bavardage. Il y a eu trop de bavardage. Bon, les bavardages, il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup, mais et moi, j'échappe à ça parce que je ne regarde pas les réseaux sociaux. Mais pour cette fois-ci, c'est les gens qui m'appelaient. Un, deux, trois, brrr. Président, est-ce que tu as vu? Un tel a dit ça. Président, est-ce que tu as vu? Un tel a dit ça. J'ai dit, mais je n'ai pas vu. Et parce que je n'ai pas vu, je suis bien. Donc, laissez-moi être bien. Vous me fatiguez avec ce que je fuis. C'est moi-même qui ne veux pas avoir un téléphone. C'est moi. Sinon, je peux acheter un téléphone. Mais je ne veux pas avoir de téléphone. Mais vous êtes tout le temps en train de me poursuivre avec ce qui assure les téléphones des autres. Hein? Vraiment. Alors, il y a eu beaucoup de pagailles. Il y a eu beaucoup de discussions, disons, sur les réseaux sociaux, sur les téléphones. Bon, c'est en même temps bien et agaçant. C'est agaçant parce que quand tu as souffert pour prendre une décision et que les gens te fatiguent avec ça ou bien se fatiguent avec ça, ça prend un peu la tête. Bon, mais il y en a un par contre que j'étais très heureux de voir sur la liste de retenue, c'est André. C'est notre doyen, le doyen André. C'est pourquoi tout à l'heure je me suis levé pour le saluer. C'est voilà. Ça veut dire. C'est justement comme je disais tout à l'heure, c'est un combattant qui ne s'arrête pas de combattre. Voilà. Bon, donc, les choix sont toujours compliqués à faire. Les choix sont toujours compliqués à faire et
ne peut pas, pour chaque choix, venir se justifier. On ne peut pas. Il y a des endroits où les choses vont de soi. Bon, quand le gars est candidat unique, bon, ça c'est évident que ça va de soi. Mais quand il y a beaucoup de candidats et que chaque candidat se croit investi du pouvoir divin, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Donc, toi qui as la redoutable charge de l'arbitrage, il faut arbitrer avec son cerveau et avec son cœur. Tu arbitres avec ton cerveau et avec ton cœur. Parce que le cœur aime et le cerveau raisonne. C'est avec ces deux éléments qu'il faut arbitrer. Et c'est comme ça que nous avons fait partout. Et nous pensons avoir fait les meilleurs choix que nous pouvions faire au moment où nous les faisions. Mais les temps peuvent changer. Demain, les temps peuvent changer. Et les hommes peuvent changer. Mais au moment où nous avons fait ce choix-là, au niveau du CSP, on en a parlé deux fois même. Deux fois. Mais bon, et j'ai attendu longtemps avant de rendre les choses publiques. Mais les choix sont faits. Les choix sont faits. Et il nous faut continuer, il nous faut avancer. Il nous faut continuer, il nous faut avancer. Aller au combat et gagner. Aller au combat et gagner. Parce qu'on ne va pas revenir. Sur les raisons de telle ou telle chose, ça c'est passé, ça. C'est passé. Les choix sont passés. Aller et gagner. C'est tout. En 1990, je disais à Sangaré, tu sais, nous sommes quatre partis dans l'alliance de la gauche démocratique. Mais c'est nous qui sommes candidats contre le fouet. C'est nous qui gagnerons. J'ai dit, en 90, là, on ne va pas nous déclarer président, quel que soit le résultat, mais c'est nous qui gagnerons. Tôt ou tard, parce que nous sommes candidats en 90, c'est nous qui gagnerons. Et quand, en 2000, 10 ans après, nous avons gagné,
J'ai dit à Sangani, tu as vu? Il dit, j'ai vu. Il dit, j'ai vu, mais je croyais aussi que c'est nous qui allions gagner. Et nous avons gagné. Mais aussi, ce que je lui ai dit et que je ne vous dis pas, ce qui devait arriver est arrivé. Parce qu'on avait toujours l'œil sur nous. Donc, vous, chers amis, allez et gagnez. Il y a deux choses. Abiba Touré, maître Abiba Touré, a dit tout à l'heure que notre adversaire le plus farouche, c'est la fraude. Vous êtes d'accord avec ça? Mais on a un autre adversaire, c'est la pauvreté. C'est l'autre adversaire. Mais sachez que depuis que nous sommes en politique, la pauvreté a toujours été notre adversaire. Cependant, nous avons gagné beaucoup de batailles. Je me rappelle quand j'allais à Ouagadougou pour l'élection législative, je ne sais pas combien j'avais, mais pour ne pas être tenté de dilapider le peu que j'avais et que j'avais en poche, c'est pour vous montrer si c'était beaucoup. Je l'avais en poche, j'ai donné ça à Kaoro, la femme à l'époque de Sangaré. J'ai dit, Kaoro, garde l'argent là. Comme ça, je ne vais pas dépenser n'importe comment. On est parti et on a gagné. On est parti et on a gagné. On n'avait pas d'argent. C'est-à-dire que ces adversaires-là, la fraude et la pauvreté sont là toujours, mais nous tenons toujours. Mais nous tenons toujours. C'est pas parce que nous sommes pauvres qu'on va bâillonner le peuple de Côte d'Ivoire. C'est même ceux qui sont pauvres qu'on bâillonne. Et ce sont ceux qui sont pauvres qui doivent lever la tête. Pour nous, nous refusons de nous taire parce que nous sommes pauvres. On refuse. On refuse ça. Donc, battez-vous comme vous pouvez. Battez-vous pour avoir des moyens ici, là. On n'est pas un parti qui a une caisse. Il dit, les candidats passés à la caisse. Il dit, ok. Celui qui vous dit ça, il ment. Celui qui vous dit ça, il ment. Moi, je dirige ce parti de gauche là depuis 1988, on n'a jamais eu d'argent. Jamais. Et à cause de ce que nous sommes, même quand nous étions au pouvoir,
nous n'avons pas beaucoup d'argent. On avait un peu parce que on était ministre, on était président, mais nos adversaires même avaient plus que nous. Donc aller et gagner. Aller et gagner. Ça, c'est la première des choses. Nos adversaires. La fraude et la pauvreté. La deuxième chose, c'est le safe. Quand vous dites une chose et que l'adversaire bondit déjà, c'est que c'est bon. C'est que ça sent bon. C'est que ça sent bon. Non, on est fatigué. On est fatigué de la fraude. On est fatigué. On est fatigué d'être devant des tricheurs. Ça, il faut dire, il faut répéter ça. On est fatigué d'être avec des tricheurs. C'est là, quand même, on n'a même plus besoin d'aller voter. Normalement, si on suit leur plan, on n'a plus besoin d'aller voter. J'ai tout calculé déjà. Enfin, arrêtez-moi ça un jour. Arrêtez-moi ça un jour. Les amis, faites du corps à corps. Faites du corps à corps. Il faut que nos amis, Madame la Présidente, qui vont être dans les différentes régions, il faut qu'ils soient vigilants. On ne va pas endiguer toute la fraude. Mais si on est capable, on peut faire beaucoup. On peut faire beaucoup. Et vu pour les coins qui sont réputés nous être favorables, je crois que c'est là-bas qu'ils vont même multiplier les fraudes parce que eux, ils veulent gagner les possibles. Voilà, donc, vous savez ce que vous avez à faire. Ils vont pas. Oh, c'est vrai qu'en 2010, au nord, ça a été même grossier ce qu'ils ont fait. Poursuivre même des femmes. Sortir les gens des bureaux de vote. Et puis comme ils ne sont pas lettrés, ceux qui étaient armés, alors ils remplissent les bureaux de vote, mais de façon insensée. De façon insensée. Si on dit inscrit 100, et ils mettent 100 parce qu'il faut mettre un chiffre. Et puis ils peuvent mettre votant 350. Mais ils ne voient pas qu'il y a une contradiction là. Et ils ne savent pas. Bon, ce n'est pas leur faute. Mais c'est en même temps leur faute. Ouais. Donc, bon. Mais ils ont fait des choses qui étaient terribles, hein. Quand Maître Vergès
et maître, comment il s'appelle, Roland Dumas sont arrivés ici, j'étais à Korogo, et ils ont vu, ils avaient vu les documents à Abidjan avant d'aller me voir, mais ils étaient ahuris. J'ai dit, mais c'est comme ça nous sommes en Afrique. C'est comme ça nous vivons. C'est notre démocratie, ça. Voilà. Donc, allez et gagnez. Allez et gagnez. Battez-vous. Battez-vous. Et gagnez. Aidez-vous les uns les autres. Et puis les listes. C'est pas parce que tu n'as pas été choisi que tu ne dois pas être dans l'élection. Non, mais je dis ça. Je dis ça. Nous avons des camarades qui sont là. Bon, qui cette fois-ci n'ont pas eu la chance d'être choisis. Mais il faut en prendre sur nos listes. Ceux qui peuvent nous aider à avancer, il faut en prendre. Il faut prendre. Et puis les femmes, il faut prendre les femmes. Il faut prendre les femmes. Regardez bien la loi. Il paraît que la loi prévoit un certain quota de femmes. Je ne sais pas combien. Hein? 30%. Bon, il paraît que la loi prévoit 30% de femmes sur chaque liste. Ben, allez-y. Allez-y pour 30%. 30%, c'était les statuts du FPI quand j'étais président du FPI. J'avais proposé à une réunion du secrétariat général 25% et Memel a proposé qu'elle soit 30%. Allons-y pour 30%. Il faut des femmes sur les listes. Et dans la grande salle là-bas, quand nous avons fait la réunion avec les jeunes, nous leur avons promis aussi de les mettre sur les listes. Donc, les femmes, qui a oublié? Moi, je n'oublie pas, hein? Moi, je n'oublie pas. Je n'oublie pas ce que je promets. Je n'oublie pas ce que je promets. Les jeunes, on leur a promis qu'ils vont sur les listes. Mettez-les sur les listes. Mettez-les sur les listes. Les femmes, 30% selon la loi, mettez 30% de femmes sur les listes. C'est comme ça que les listes peuvent être vigoureuses. Peut être vigoureuse et attrayante. Il y a des femmes qui ont beaucoup d'attrait. Bon, mettez-les sur la liste. Il y a des jeunes qui sont de véritables bombes. Mettez-les sur la liste. Mettez-les sur les listes. Et puis, vos camarades qui n'ont pas été choisis, mettez-les sur les listes.
mettez-les sur les listes pour que ensemble, vous, parce que vos adversaires, ce n'est pas vos camarades, vos adversaires, c'est d'autres que vous voyez. Voilà. Mais vos camarades là, ils n'ont pas été choisis. Et ils n'ont pas été choisis, c'est tout. S'ils ne sont pas vos adversaires, mettez-les sur les listes. Négociez, discutez avec eux, et puis mettez-les sur les listes. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Au lieu de vous morfondre, de pleurnicher, oui ceci, oui cela, oui tant, non. Non. La politique, c'est pour aller devant. Allez-y et gagnez. Je vous remercie. Camarades, vous restez sur place jusqu'à ce que nous saluions ensemble le président quand il va se retirer avant de sortir nous-mêmes. Vous ne pouvez pas sortir de la salle tant qu'il est là. Restez à vos places, tranquille. Tout va changer. La régie, tout va changer. Merci d'être venu à cette douce cérémonie. Merci d'avoir écouté le message du président Gbagbo. Et merci de promettre que vous allez mettre ces consignes en pratique. Resserrez les rangs. Allez-y, battez-vous et gagnez. Pour que tout change. Parce que tout doit changer. Bon retour chez vous. Et à très bientôt. On a retrouvé les paires de lunettes de quelqu'un qui monte ici pour chercher.